Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vous prends un peu en une sorte d'école aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous devez vous lancer à votre compte? Donc, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. Ça fait une semaine, ça fait un mois, ça fait 3 semaines. Bien sûr, vous me suivez avec beaucoup d'autres personnes qui ne veulent pas votre bien. Des personnes qui ne veulent pas que vous sachiez que vous avez des dons à l'intérieur de vous. Vous avez des personnes qui ne veulent pas que vous progressiez. J'ai une dame ce matin, elle me dit, elle est dans une église où elle était dans une église. Et vous connaissez les formations bibliques qui ne finissent jamais là. Ouais, donc elle était dans ça. Formation, formation. Et là, ça fait un mois qu'elle est tombée sur mes vidéos. Elle a commencé à se laver avec le salaire. Elle n'a pas encore acheté un de mes kits. Depuis 4 jours, la fille ne fait que m'envoyer les dîmes de 5 000 chaque jour. Une journée en deux fois. Il y a eu un jour, son salaire de secrétaire, c'est 50 000 le mois. Elle a commencé à se laver avec le salaire. L'autre jour, en deux fois, elle me fait la dîme. Elle m'envoie 500. À quelques heures plus tard, elle m'envoie encore 500. Et là, elle me dit... En 3 semaines, elle s'est retrouvée déjà en train de payer presque 100 000 francs de dîme. Genre la dîme de 100 000 francs, c'est-à-dire 10 000 francs. Alors que son salaire normal, c'est 50 000. Elle dit donc que ce monsieur qui me suit, je vous ai dit que vous laissez un petit compte sur ma page. Tu vas te reconnaître. Ils sont partis là, ils partent à la même église ensemble. Ils font les mêmes formations bibliques ensemble. Vous connaissez les pasteurs là qui veulent vous enfermer là, non? Vous connaissez, ne faites pas comme si vous ne les connaissez pas. Allez, j'arrête là. N'est-ce pas le voilà qui la suit? Un jour, elle est dans le direct. Ils font la formation biblique ensemble. Elle est dans le direct un jour. Je dis quelque chose et elle dit Amen. Il la voit. Il parle dans son WhatsApp, lui dit que wow, tu suis la femme là que donc tu crois que le bracelet peut protéger quelqu'un. Bonsoir la chinoise. Elle lui a dit, oh, que je ne connais pas ce que je connais, mais tout ce que je sais, c'est que depuis qu'il regarde la femme là, ma vie a changé. Depuis qu'il me lave avec le sel. Je reste parfois en 2 semaines comme ça là. Mon salaire mensuel, j'ai ça en 2 semaines, des pourboires. Que je ne connais rien, mais tout ce que je sais, c'est que depuis. Depuis. Que je vous suis, je fais vos formations spirituelles. Ma vie n'a pas changé. Vous connaissez la vérité, vous cachez. Maintenant, aujourd'hui, tu viens, tu commences à me dire que tout ce que je sais, c'est que je mets seulement en pratique ce qu'elle dit et ça marche. Si tu envoies ta dîme à ta mère, quand tu es malade, appelle ta mère et prie pour toi. Très simple. Si tu envoies ta dîme à ta mère, là il faut les enseignements spirituels, vois ta mère t'enseigne. Il faut savoir donner ce qu'il y a à Dieu et ce qu'il y a à César. La dîme, c'est là où tu es nourri spirituellement. Si c'est ta mère qui te nourrit spirituellement, envoie chez elle. Si ça répond à ta question. Mais à part les 10% là, si ta mère, s'il faut 100 000 pour opérer ta mère, à part les 10% là, tu n'auras plus jamais l'argent.
Vous aurez vos décepticons qui vont venir. Donc, je fais cette vidéo parce que beaucoup d'entre vous, vous me regardez depuis. Vous avez. Vous pouvez investir sur tout le monde sauf sur vous. Vous pouvez investir sur tout le monde sauf vous-même. J'ai une amie. Elle peut acheter la marchandise. Elle peut voyager. Elle va à Dubaï, elle va en Turquie, elle va en France, elle va aux États-Unis. Mais quand tu lui dis que, ma chérie, assois-toi, ouvre ton cabinet de coaching ou de consulting, ouvre ton cabinet de quelque chose, et moi, tous les jours, entre de côté les gens. Mais l'image qu'elle a d'elle, elle n'est pas encore prête. Beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Vous vous sabotez vous-même. Tu crois que si tu fais, si tu ouvres un endroit de médecine traditionnelle, les gens ne vont pas venir. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais seulement. Ne cherche pas que. Est-ce que les gens vont m'acheter mes choses? Est-ce que si je fais l'équipe, les gens vont acheter? Et cette dame qui m'a fait son témoignage, elle me dit que elle avait même envie de faire un direct où elle parle de spiritualité aux gens. Mais c'est que si elle fait, les gens de l'église là vont parler. J'ai eu des déceptions qu'on a dans certaines églises. Oh, tu sais, tu es exposé. En ligne, tu es exposé. Tu sais, hein? J'ai dit que laissez. Laissez. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur que je dois partager avec les gens. Laissez-moi partager. Vous devez avoir confiance en ce que Dieu met en vous. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous doutez de vous. Vous êtes aussi seulement là comme ça. Qu'est-ce qu'il y a même en moi? Est-ce que les gens vont même me croire? Est-ce que quelqu'un peut venir me donner 100 000 francs? Pourtant, tu aides les gens chaque jour. Tu conseilles les gens chaque jour. En fait, tu conseilles plus que tu ne travailles même. Tu arrives au boulot, tu t'assois du début à la fin de ton travail au boulot. Tu es en train de conseiller les gens. Tu es en train de prier pour les gens. Tu finis le boulot à 16 h. De 16 h à 21 h 30, tu dois te conseiller les gens. Comprenez que ce n'est pas vous qui faites la chose, c'est l'esprit qui fait. C'est pour ça que, écoutez, si l'esprit, si demain l'esprit me dit que rase tout ça, je vais me pointer sur la vidéo ici, vous allez voir, j'aurai rasé moi ma tête. Je me réveille à 3 h, l'esprit dit, prends la caméra, parle à 3 h avec ta tête comme ça là. Je parle moins que mes 3 h, je parle. Ce matin, j'ai parlé le français, j'ai parlé le franc-anglais, j'ai parlé encore l'anglais, je sais. Vous avez compris ce que j'avais à dire. Tu veux qu'elle ça ou ça? Déblocage avec le cadenas, passe sur ma page YouTube, tu vas voir. Ne venez pas me distraire pendant mon direct. J'ai fait les vidéos et mets sur YouTube, allez voir. Je vais pas venir me rendre. Takano. Donc, il est temps que tu sortes. C'est vrai que tu es déjà infirmière. Tu es aide-soignante. Tu es dans ton petit appartement à Paris. Tu es dans ton petit appartement à Paris. Tu sens la puissance. Depuis que je te lave avec le sel, tu sens en toi comment la puissance entre toi. Il dit qu'il y a les jours où tu restes comme ça, là, tu sens l'énergie en toi, tu sais pas ce que tu vas faire avec. J'ai votre remède.
Les jours, tu te réveilles comme ça là. Tu sens que si tu touches quelqu'un, la personne va. Si tu touches un mot, il va se réveiller. Parce que l'énergie est en toi. Et cette énergie-là, ça te maintient debout. Tu ne dors pas beaucoup. Je suis en train de parler de quelqu'un. Je ne te connais pas particulièrement. Hein. Mais on est en train de me montrer quelqu'un. L'esprit te dit écris. Tu as écrit déjà tout. Tu as déjà tout planifié. Mais tu as peur. Tu as peur. Qui va même écouter? Une petite femme. Moi, j'ai immigré ici, là. Qui me connaît un peu ici? Qui va même écouter? Écoute-moi bien. L'esprit n'a pas besoin de ton intelligence. Les ancêtres n'ont pas besoin de ta beauté. Ils veulent seulement un vaisseau qui va obéir. Un canal qui va dire ok. Ok. Vous croyez que tout ce que je fais là, je connais quelque part? Vous croyez que je connais? 80% des choses que je fais chaque jour. Donc, 80% de ce que je fais chaque jour, je n'avais jamais fait avant ou je n'avais même pas prévu. Je me lève seulement comme ça là. Pas comme ça. Traite la personne, c'est comme ça. Dis comme ça. Pose telle question. Fais comme ça. Pas plutôt là-bas. Appelle telle personne. N'appelle pas telle personne. Vous aimez toujours réfléchir dans votre tête. Vous aimez toujours. En anglais, on dit you like to figure things out. Too much. Too much. You didn't overwise. You didn't overwise. Ils ne veulent pas ça. Tu connais trop. Oh, j'ai eu. Ils ont besoin que par la foi. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes tombés dans des pays où les gens généralement se font de l'argent. Parce qu'ils ont été à l'école. Ils ont pu prouver avec les papiers. Tu es arrivé, tu as essayé de faire ta part de papier, ça n'a pas donné le long crayon. Tu as fait seulement 8 mois à l'école. Tu as fait moins de 2 ans à l'école. Mais l'esprit te dit chaque jour que tu seras riche. Souvent, quand tu fais son salaire, tu vas expliquer à quelqu'un que l'esprit t'a dit que tu seras riche. Mais tu dis que, ah, si il demande, il va me dire, est-ce que tu es docteur? Est-ce que tu es avocat? Est-ce que tu es juge? Est-ce que tu es ceci? Je vais dire, non, 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 non. Il va me dire que toi-même, tu vois que tu ne peux pas, non. Écoutez-moi, je suis en train de sauver quelqu'un. Quelqu'un qui se noyait. Tu te noyais dans les soucis. Tu te noyais. Ah, je vais faire comment? Ah. Et la fesse là, hein? Quand tu vas obéir aux ancêtres, tu ne fais pas un peu. Bon voilà, je vais faire ça. 25% du temps, je vais consulter. Oui. Et puis 75% du temps, je vais aller travailler pour Walmart. Je vais aller travailler pour McDo, pour Zara. Aussi blanc que mes dents sont blanches. Tu te trompes. Tu vas rester comme ça. Quand tu as commencé à obéir, les idées vont couler dans ta tête. Tu arrêtes de partir au boulot là comme ça. Si quelqu'un n'a pas la foi, qu'il ne fasse pas ce qu'il dit. Écoutez, si votre foi, c'est déjà des petits foies là, ne m'écoutez pas. Tu restes à la maison comme ça, là, tu as arrêté le boulot avant-hier. Dans la nuit, tu reçois les flashs, les images de ce que tu dois faire.
Certains parmi vous, vous allez me commencer à peindre les tableaux. Vous allez faire les tableaux, les chefs-d'œuvre, vous allez vendre. Ah. Ancestre, pardon, parlez à vos enfants, parlez-les. Quand elle parle comme ça, là, je sens comment certains d'entre vous, votre corps est en train de picoter. Ton corps picote parce qu'ils t'ont parlé, tu n'as pas compris. Fali, tu t'appelles le déterminé et tu as peur. Tu ne peux pas avoir peur avec les ancêtres. Tu ne peux même pas. Lance-toi. Il y a les jours, tu vas te lever comme s'ils vont te dire que tu as 1000 euros dans le compte. Non. Pour te 950 euros, tu pars, tu achètes un bureau, une chaise, tu achètes une caméra, tu viens, tu déposes à la maison. Tu dis, mais c'est tout mon argent. C'est dans ta tête depuis une semaine. Pas. Le jour où tu achètes, tu viens, tu déposes à la maison. Dès que tu déposes, comme ça, quand tu t'assois sur ça, quelqu'un t'appelle. Oui, j'ai 500 euros là, oui. Est-ce que tu peux... Oui, je voulais te rembourser ton argent depuis longtemps. C'est comme ça que tu commences à vivre par la foi. Et je crois que les ancêtres aiment même ça. Ils aiment ça. Le fait de savoir que tu ne sais pas ce que tu vas faire, mais que tu comptes sur eux. Le fait que tu dises, on te demande, mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Et toi, tu réponds, je suis guidé par l'esprit. Oui, ce sont mes ancêtres qui m'ont parlé. Ils m'ont dit d'aller m'installer dans telle ville. Et tu as posé des choses que tu es parti. Tu restes dans la nuit. Ta grand-mère te parle. Tu te lèves le matin. Tu commences à chercher les maisons dans la ville où elle t'a dit de partir. Mais toi, tu es zen dans ton cœur. Tu es zen. Quand tu parles là où il te dirige, là-bas, tu as la paix. Tu as la protection. Tu as l'énergie, la force. Tu te lèves le matin comme ça. Tu arrives à accomplir 50 choses. Monsieur Cameroun Bernard, tu peux discuter avec une folle comme moi. Moi, je suis une folle. Tu as compris? Quand je vois ta façon d'écrire, je... Excuse me, that, but I think you're a literate guy. You know, you're too literate for me. You can't work. I'm too crazy for you, guy. You're too versed. Your words are too, you know, they're too planned for me. I don't do that. I'm spontaneous. Beaucoup de choses que les gens me voient faire aujourd'hui. Quand on voit ce que j'ai construit. Ne me voyez pas mon t-shirt, m'habiller comme petite fille comme ça là. Moi j'aime moi comme ça là, j'aime moi ça. J'aime moi m'habiller comme une petite fille. Quand les gens voient tout ce que j'ai construit jusqu'aujourd'hui, ils me demandent toujours, tu as fait comment? Je leur dis que je n'ai même pas encore commencé. Kato. Oyoa, gâteau. Je n'ai même pas encore commencé. S'il y a une chose que je sais reconnaître, c'est quand le Saint-Esprit me parle. Oui. Et parfois, il va te dire des choses qui n'ont pas de sens. Appelle telle personne. Dis ça. Fais ça.
dis pas, tu fais. Crée telle activité. Et autrefois, ma djibam. Et autrefois, où you are. Ripping. Et autrefois. Ainsi. Quand j'ai lancé l'école pour les enfants, on m'a dit non, ça c'est les yeux des blancs. Ça ne peut pas marcher au Cameroun. Qui va amener son enfant dans un genre d'école comme ça? Il dit que laissez. L'esprit me dit d'ouvrir l'école, qu'on va faire comme ça, comme ça. L'esprit me dit. Cameroun Bernard, tu t'es trompé de page. Tu as compris? Ce n'est pas ici que tu dois être. Tu as compris, Cameroun? Il s'est trompé de page. Il n'est pas censé être ici. Je veux rappeler que je ne fais pas ce direct pour les plaintes. Si quelqu'un a une plainte, qu'il écrive en inbox. Je ne veux pas les plaintes ce soir. Voilà. Bonsoir Hugo. Si les ancêtres doivent passer par une autre personne pour te parler, c'est parce que quand ils te parlent, tu n'écoutes pas. Et aussi parce que tu ne mets pas du temps pour pouvoir les écouter. Et aussi parce que tu ne fais pas ton travail spirituel. Parce que si tu passes ton temps à parler à quelqu'un, ça veut dire que tu attends sa réponse. Et quand il va te parler, tu vas savoir que... Vous vous réveillez le matin, vous vaquez à vos occupations. Parlant. Comme ça. Imaginons que je te lève le matin, tu appelles. Maman Mathieu Gisèle, maman Gagné Aurélie, maman Photo Esther. Tu appelles tes ancêtres. Léonie, si vous vous plaignez encore ici, je vous bloque. Vous me comprenez? Témoignage posté, question pertinente postée. Vous venez vous plaindre ici, vous me demandez d'interpréter votre rêve, je vous bloque. Vous allez devoir créer un autre compte pour venir parler sur ma page. Si le volume est bon, je continue. Tu te lèves le matin, tu te mets dans leur présence. Je suis consciente que vous voulez me guider aujourd'hui. J'appelle la Vierge Marie, maman. Toi qui es la reine du ciel, toi qui es la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Guide-moi. Guide-moi, maman. Tu te lèves de tes genoux ce matin-là. Que tu as fait ton bain de sel. Tu dois apprendre à être sensible. Parce qu'ils vont te parler à travers les émotions de ton corps. Par exemple, tu vas te sentir mal. Questionne ton esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous m'avez dit quelque chose que je n'ai pas écouté? Est-ce que vous m'avez... Dites-moi, c'est quoi? Dis non, va plutôt à droite. Non, le monsieur, c'est qui tu veux partir là? Non, tourne la voiture. Tourne, tu reviens sur tes pas. Rentre. Non, pas aller 4 fois. Tout là, tu rentres, tu t'es pas. Quand tu tournes comme ça, là,
Dès que tu tournes, tu sens comment ta joie revient. Tu forces, tu pars au boulot. Là où tu n'es pas censé être. Toute la journée, tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. Ton dos fait mal. Tu es mal à l'aise. Tu es de mauvaise humeur. Finalement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Va te coucher, tu dors. Tu sais que tu n'es pas censé être dans le boulot ici depuis longtemps. Tu n'es pas allé quitter du boulot, c'est pourquoi? Tu as voulu lancer ta marque de vêtements, combien de fois tu as laissé? Tu as lancé ta marque des lunettes, les chapeaux. Les t-shirts. Laisse tout ça. Lance-toi à ton compte. Non, 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 non. J'attends. Ça, c'est Satan. Satan qui derrière moi. Chi. Tu prends l'encens. Tu brûles. Dans toute la maison. Alors qu'ils sont en train de te montrer ta voix. Quand je vous parle comme ça, je sens tellement d'onçon sur moi que. Après, tu arrêtes le boulot là. Le jour où tu arrêtes, en rentrant à la maison. Oui, tu te rappelles, est-ce que tu. Oui, je veux commander quelques vêtements. J'ai un mariage qui arrive là. Ah, ça tombe bien, j'ai ma marque de vêtements. Le même jour où tu as quitté le boulot là. Commande, je veux pour moi, pour mon mari, pour mes ceci, 3 vêtements, 1000 euros. Tu prends les 1000 euros là, tu peux acheter le matériel. Tac, rapidement. Vous allez apprendre à marcher par intuition. C'est pour ça que Paul a dit, on marche par la foi. On ne marche pas par ce qu'on voit. Paul se lève le matin comme ça. On va dans quelle direction, Seigneur? Certains parmi vous cuisinez merveilleusement bien. L'Esprit t'a déjà dit depuis longtemps, prépare, achète des grosses marmites, tu fais le restaurant. Fais les nourritures emportées, tu as combien de collègues? Dis à tes collègues que je quitte le boulot d'infirmière pour me lancer dans la nourriture. Vous aimez les grands titres. Ah, on va même me voir qu'elle prépare. Non. Moi, je veux qu'on me voit aussi que je suis l'infirmière chef. N'est-ce pas? Quand tu appelles au pays, tu me dis, ouais, moi je suis la chef de département. Oui, oui. Alors que l'Esprit t'a mis à cœur depuis longtemps. Tu es fait pour soigner les gens. Soigne les gens. Prends la terre, tu mélanges avec l'huile, tu mélanges avec la salive, tu donnes aux gens qui guérissent. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir. Je parle très sérieux ce soir, donc ne venez pas me distraire. Oui, j'avais les dons quand j'étais petite. Moi aussi, je peux guérir. Quand vous me contactez ou quand ça me dit que vous connaissez guérir, je peux même vous insulter. Tu ne guéris pas, pourquoi? Ta page est où? Tes produits sont où? On peut te trouver où? Oh, ha! Non, tu sais, moi je peux même pas faire encore pour l'instant, tu sais. Oui, 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 on m'a déjà dit que je suis reine. On m'a dit que je suis puissante. Oui, 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 je sais. Je sais. Bête. Folle. Idiote. Idiote. Les gens sont en train de souffrir là-dehors. Tu sais combien de personnes tu connais que tu peux guérir?
Stéphanie Fongen, tu n'as pas fait le passeport, non? Je vais même souvent vous supprimer de ma page. Vous faites des gaspillages d'énergie. L'esprit passe son temps à vous parler, vous ne faites pas. Tu connais l'énergie qu'il faut pour envoyer un rêve à quelqu'un? Tu sais ce qu'il faut pour qu'on envoie un ange, on déploie un ange pour qu'il vienne. Il est sur ta tête dans la nuit. Il fait comme ça. Il met les images dans ta tête. Tu te réveilles le matin. J'ai rêvé que je dois aller faire le passeport. Ah, dormons quand même. 6 mois plus tard, j'avais rêvé qu'elle devait faire le passeport. Vous êtes seulement bête ou vous êtes fou? Vous êtes idiot ou bien vous êtes. C'est quoi votre problème? Oui, j'ai mangé les rêves, je vois les trucs sur les gens. Moi, je peux voir en avance, oui. Je sais quand quelque chose va se passer dans ma famille. Et puis quoi? Et puis quoi? Tu as aidé qui avec? Vous avez vos propres petits. Non, tu sais, mon mari. Oh, vraiment. Comme tu as un mari spécial là. De tout le monde entier, tu n'as pas de mari, on n'a encore jamais vu. Mari spécial. Special one. Your husband a special kind. Special one. Ah, si je fais, qu'est-ce que Jérôme va dire? Moi, il ne faut pas que Jérôme se fâche. Tu crois que qui protège Jérôme depuis là? C'est toi. Parce que tu es trop belle. Jérôme va s'occuper de lui-même. Jérôme est ce qu'on ne take care of himself. Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Il savait de quoi il parlait. Ah, il faut d'abord que je me marie. Je veux d'abord avoir des enfants. Et, ah, même quand j'aurai 45 ans, c'est là qu'elle veut faire ça. Tu as 28 ans aujourd'hui. Moi, je peux même soigner les gens. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui est jeune comme moi qui fait ce qu'elle fait, ah, la fille l'appelle. Ah. Et pas on fait ça à 45 ans, 50 ans. Non. J'ai décidé que. Mais, je vais accomplir ma part. Monsieur la merveille, je vais te chasser. Oh, tu ne peux pas venir me distraire avec tes compliments. Hélène Lecoq, ne fais pas comme si tu ne connais pas. Il y a les numéros en haut de ce direct. Ne faites pas que les ancêtres croient que vous êtes une perte d'énergie. Hélène, tu peux payer par PayPal, tu peux payer par Orange Money. Orange envoie l'argent, oui. Je ne cesserai de vous dire que c'est nécessaire. Tu dois te lancer à ton compte. Tu dois utiliser les réseaux sociaux à ton avantage. Donc, je vais commencer un peu à enseigner dessus. Et ceux qui sont intéressés, bien sûr, j'ai les formations pour ça. Je vous ai parlé du séminaire qui aura lieu la nuit de dimanche à lundi. Comment transformer ses dons en argent. Ne venez pas, vous avez compris. Galérez, vous aimez ça. Tu ne comprends pas ma situation. Vous devez construire votre propre marque. Construire sa marque, ça demande du temps. Ça prend de l'argent. Tu as besoin d'acheter des appareils.
Tu as besoin de t'habiller pour faire face à la caméra. Tu as besoin, et tu vas avoir parfois payer un local où tu vas faire tes vidéos. Tu as besoin de. Certaines personnes ont payé le site internet. Ça demande de l'argent. Ça demande aussi le temps. Pourquoi? Parce qu'il faut que tes clients te fassent confiance. Certains parmi vous, c'est après m'avoir coûté 3 mois que vous êtes décidé d'acheter un produit chez moi. Donc ça m'a pris du temps pour construire ma marque. Et pour construire ta marque, tu as besoin de voir la plus grande échelle. C'est-à-dire quand tu commences, ce n'est pas seulement service à la personne que tu vas apporter. Genre, ce n'est pas seulement toi qui vas aller guérir, qui va aller. Non, ce n'est pas seulement toi. Tu peux voir, genre, ok, je commence ça aujourd'hui. Dans 5 ans, je me vois en train d'avoir 25 personnes qui travaillent pour moi. Et c'est ce que tu vois que tu vas obtenir. C'est ce que tu vois que tu vas obtenir. Donc, pour construire ta marque, tu dois d'abord déterminer tes dons. Le roi soleil ne me cherche pas. J'ai le doigt facile. Je bluffe facilement. Donc, pour construire ta marque, ok, Nicole, tu veux faire la représentante des produits à pointe noire. Contacte-moi après ça. Tu as compris, Nicole? J'ai beaucoup de personnes là-bas qui demandent souvent, mais comme je n'ai pas quelqu'un là-bas pour gérer ça, je n'ai pas trop pris aussi. Donc, la première chose que tu dois déterminer, quels sont tes dons? Ok? Tu dois déterminer, et si tu m'écoutes depuis un bout, tes dons te parlent déjà. Tu sais que tu guéris les gens. Beaucoup d'entre vous qui me suivez, environ 90% d'entre vous, vous êtes des guérisseurs. Certains parmi vous, seulement par votre présence, ça retire quelqu'un. Vous le guérissez. Certains, vous écoutez quelqu'un parler, il vous raconte son histoire, il guérit. Certaines personnes, vous devez imposer la main sur lui pour qu'il guérisse. Certains, vous priez seulement pour quelqu'un, il guérit. Donc vous devez déterminer vos dons, à quoi est-ce que vous êtes bon. Et si tu ne connais pas tes dons, il faut que tu demandes à Dieu de te révéler tes dons. Malheureusement aussi, beaucoup d'entre vous compliquez trop l'affaire de dons aussi. J'ai un ami qui est en train d'essayer de lancer son TikTok. Il a passé 3 jours à faire les préparatifs de TikTok. Et je lui ai dit que moi, quand je voulais faire TikTok, parce que le temps était venu, je me suis levé matin, j'ai fait TikTok. Quand ma première vidéo a commencé à percer, percer, finalement, j'ai dit que, il faut que je continue encore à faire d'autres vidéos. Hein. Quand tu fonctionnes dans tes dons, hein, ton énergie est maximale. C'est comme si tu t'ouvrais. Et quand tu parles, ça touche le cœur des gens. Tu parles de cœur à cœur. Quand tu parles, ça active les gens. Tu parles avec la passion. Donc, une fois que vous avez déterminé vos dons, vous devez déterminer le manque qu'il y a dans la société que vous voulez combler. Peut-être ça te fend le cœur de voir, moi personnellement, quand je galérais en Angleterre pendant que je n'avais pas les papiers, j'avais vu tellement de Noirs souffrir. Et les immigrants. Donc, j'avais décidé à mon cœur, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi comment je peux aider beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains à être riches et à se libérer de l'emprise de la famille. C'était ça ma prière. Donc, quand quelques années plus tard, je me suis retrouvée et Dieu m'a donné l'opportunité en quelque sorte, je vais appeler ça comme ça, il m'a donné l'opportunité
de parler. Joyce, tu n'as pas besoin d'activer ton don. Ton don est déjà en toi, c'est déjà activé. Edwige Smith, tu as reçu une cascade de réponses à tes. C'est super. Donc, je ne savais pas que les prières que j'avais faites en 2013-14, Dieu allait me répondre 7 ans plus tard. Certains parmi vous avez juste un don oratoire. Vous parlez facilement aux gens. Votre don oratoire est superbe. Donc, vous pouvez parler, vous avez le contact facile avec les gens. Et quand vous êtes devant beaucoup de personnes, vous ne paniquez pas. Voilà un don. Tu peux apprendre aux gens à parler comme ça. J'ai passé, vous savez, j'ai des cours où j'apprends aux gens à parler. J'ai des cours où j'apprends aux gens à parler bien anglais. J'ai des cours où j'apprends aux gens à créer leur business. J'ai des cours où j'apprends aux gens à devenir coach. J'ai des cours où j'apprends aux gens à faire des lavages. J'ai beaucoup de cours dans ce sens-là. Parce que j'ai déterminé des choses dans lesquelles je suis bien. Ce dans quoi je m'en sors bien. Ce qui vient facilement pour moi. Je me suis rendu compte que là-dehors, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore aptes dans beaucoup de choses que moi je connais faire. Ok, tu ne connais pas, je connais. Viens, tu me payes, je te montre. Donc, pour avoir la visibilité, tu dois décider de chercher deux plateformes au départ pour ne pas t'embrouiller. Tu dois trouver deux plateformes. Peut-être YouTube et TikTok, peut-être Facebook et YouTube, peut-être Facebook et TikTok, tu choisis. Deux plateformes minimum. Trois maximum, parce que si c'est trop au départ, tu vas te fatiguer. Sur lesquels tu vas publier. Tu t'assois. Tu trouves trois personnes que tu admires. Ok? Dans des sujets différents, hein. Tu peux être l'une de ces personnes-là. Au départ, tu peux décider d'écouter les gens là, tu recraches le contenu sur ta page. Donc, tu viens, tu écoutes un sujet de vidéo, tu pars, tu refais ta part. Tu écoutes, tu refais. Tu écoutes, tu refais. Tu as besoin de choisir trois sujets dont tu vas discuter sur ta page. Chez moi, les mes sujets, c'est le coaching, la spiritualité et le business. Je vais vous motiver. Je vais vous montrer comment faire vos trucs spirituels. Et je vais vous montrer comment faire le business. Certains d'entre vous, je fais même le business avec vous. Une fois que tu as choisi les personnes que tu admires, tu vas regarder ce qu'ils font. Pour essayer de copier sur ta chaîne. Ça, c'est en attendant de trouver ta vraie image à toi, ta voix. Au départ, moi, j'écoutais les livres audio et je venais enseigner ces livres audio sur ma page. Si vous regardez les vidéos de The Gifting Academy en 2018, j'enseignais. Coco Gladys, si tu veux qu'elle soit à Douala, pourquoi? Tu vas venir me voir. Non. Donc, laisse-moi là où je suis quelque part dans le monde. Voilà. Donc, vous devez choisir trois piliers. Tu peux peut-être parler sur ta chaîne, tu parles de spiritualité. Tu coaches peut-être les gens pour comment lancer sa chaîne YouTube. Spiritualité, YouTube et comment gérer sa vie de couple. Je propose trois sujets parce qu'avec le temps, tu vas voir ce que ton public trouve chez toi. Tu peux aimer cinq choses, mais tu n'es bonne que dans deux choses. Tu peux avoir trois piliers, mais quand tu fais tes vidéos, les gens demandent plus un sujet, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà ta voix que les gens sont en train de montrer. Parce que vous ne connaissez pas écouter le public.
Je mentionne que si vous faites, vous posez des questions qui sont un peu irrecevables, je ne vais pas vous répondre. Parce que ce que je suis en train d'enseigner, c'est assez lourd. Une fois que tu as choisi tes trois piliers, tu commences à enseigner. La merveille, va sur YouTube, tu cherches comment ouvrir la page TikTok. Tu apprends ça, tu peux montrer aux gens comment faire, c'est tout. Donc, quand tu as trouvé tes trois piliers, et je sais aussi comment faire, se faire de l'argent. Sans devoir attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour que YouTube te commence à te payer. Tu peux commencer sur les réseaux sociaux avec une stratégie pour te faire de l'argent sans attendre que ça monte à 10 000 abonnés ou bien que ça monte à ceci. Tu te fais de l'argent dès les premières semaines parce que tu as la bonne stratégie. Donc, une fois que tu as tes trois piliers, tu as déjà déterminé les réseaux que tu vas utiliser. Ce que tu vas faire, tu vas aller te documenter sur tes sujets que tu veux développer. Tu vas te documenter sur les sujets. Et il n'y a pas meilleure université que YouTube. Tu vas aller faire le travail lourd pour tout le monde. Tu passes 3, 4, 6 heures de temps en ligne. Tu apprends à faire un petit truc sur ton téléphone. Comment faire ça avec TikTok? Tu pars maintenant pendant une vidéo de 50 secondes, tu montres aux gens. Donc tu peux apprendre, tu viens donner aux gens gratuitement d'abord. Donc, tu dois te documenter sur tes sujets correctement. Et tu dois surtout choisir le top top. Les personnes qui sont top top. Genre, tu vois la personne à 3 millions de followers. Là, c'est des top. Tu sais quand même que la personne a déjà roulé sa bosse. Mais que tu te documentes maintenant, tu dois toujours commencer avec un produit et un service. Parce que malheureusement, pour beaucoup d'entre vous, quand vous commencez le spirituel, tout dans le spirituel est monétisable. Tu peux lire les rêves, interpréter les rêves, on te paye. Tu peux lire la paume de main de quelqu'un, il te paye. Tu peux mettre ta main au salat, tu prends toute son énergie négative, là, tu le guéris de ses maux de tête, il te paye. Voilà. Une fois que je t'ai bien documenté, et que tu as façonné le type de service que tu veux, tu dois lancer tes vidéos d'abord. Et en lançant les vidéos, tu dois savoir ce que tu désires, qu'est-ce que tu veux offrir au client. Que quelqu'un ne regarde pas ta vidéo, il sort de là, il n'en a rien tiré. Il n'a aucune proposition pour toi. Vous savez tous, je vous parle toujours des kits. Il y a le kit fondation qui vous aide à couper les malédictions générationnelles sur vous. Il y a le kit commerce. Si vous avez une activité qui vous rapporte de l'argent, le kit commerce va vous aider. Il y a le kit attraction. Tu as perdu la faveur de ton mari. On te déteste. Le kit attraction va t'aider. Il y a le kit déblocage. Tu as une situation de visa. Oh, ça bloque, ça bloque. Le kit va t'aider. Le kit déblocage plus plus. Tu es victime de sorcellerie. Il y a aussi le kit sorcellerie. Tu es victime de sorcellerie, de manipulation, de ceci. On t'a volé tout ce qui t'appartenait. Tu as fait faillite, kit déblocage plus plus. Le kit célébrité, tu sais que tu es appelé à faire beaucoup de choses dans notre génération, mais ta page est invisible. On ne te voit pas. Prends le kit célébrité, ça va t'aider. Une fois que tu as tout ça, tu as le cadre maintenant. Tu as besoin d'un bon cadre.
Si tu ne peux pas, va devant la fenêtre. Tu t'assures que la lumière du jour vient sur toi. Tu achètes un petit micro. Même si tu n'as pas le micro, tu choisis ça, mais un moment de la journée où c'est calme. Tu structures ce que tu vas dire. Et quand tu parles à la caméra, parle comme si tu parlais à ton ami. Parle comme si tu avais quelqu'un devant toi. C'est pour ça que quand vous me voyez, vous êtes toujours. C'est ça qu'il n'y a pas la caméra, c'est comme ça qu'elle parle naturellement. C'est comme ça qu'on ne parle. Donc la caméra devient ton ami. Ne t'attarde pas trop au téléphone pour parler avec les gens. Oh, je veux être gentil, je veux qu'ils sachent que je suis gentil. Non. Tu dois être rigoureux, strict, ferme. Bon, ceux qui veulent la suite, vous allez devoir acheter ma formation. Vous avez compris, non? Il y a une formation pour les gens qui veulent développer leur don spirituel. Mais surtout, cette formation est autodidacte. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'il vienne courir derrière vous pour pouvoir, oh, fais ça, non. On va parler de spiritualité, on va parler des objectifs qu'on se fixe, on va parler de des méthodes d'apprentissage. Comment est-ce que tu apprends? Est-ce que tu apprends vite? Est-ce que tu apprends lentement? Oui, Marcel, tu peux utiliser le lieu de commerce te concerne. Tu vas envoyer dans le lieu de commerce là le bâton de commandement et le grillage qu'on met dans la caisse. Certaines choses doivent être dans la caisse de l'endroit où tu fais le business. Donc c'est tout. Bon, Café, tu es arrivé de la stable. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'interprétait pas les rêves aujourd'hui. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Il va y dormir. Écoutez ma vidéo, j'ai dit des trucs très importants et très intéressants. Donc, ceux qui sont intéressés par la formation, vous pouvez aussi l'acheter. Ok? Bonne soirée à vous.